Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mardi 7 novembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, j'attire de bonnes relations et de bonnes personnes dans ma vie. Je m'entoure facilement de gens positifs et sains. Et je me libère totalement de tout jugement, colère, culpabilité et totalement du passé. Et vous répétez ça 3 fois, n'est-ce pas? Aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé le soleil. Donc, c'est une carte majeure du tarot Vision Quest. Le soleil, l'essence de cette carte, c'est l'évolution. C'est l'évolution avec cette belle force de vie, cette belle illumination. Qu'est-ce qu'on pourrait encore dire? L'accomplissement de quelque chose, une satisfaction de quelque chose, un bonheur, l'amour aussi, hein, la plénitude intérieure comme extérieure, n'est-ce pas? Les deux. Le message intérieur de cette belle carte, le soleil, eh bien, la lumière du soleil contient notre vie. Sa chaleur qu'elle déploie rend notre existence possible sur cette terre. Ainsi, eh bien, les peuples primitifs priaient le soleil en tant que leur dieu ou déesse. Il représentait clairement pour eux une présence divine. La force semblait immense et surtout éternelle. La force du soleil vous conduit également dans une nouvelle période de vie. C'est une période de bonheur, de l'accomplissement intérieur et de la gratitude. Votre soleil intérieur, eh bien, il brille, oui, il brille. Et sa lumière vous montre votre chemin intérieur. Vous n'avez plus besoin d'être extérieur. Si vous apprenez à faire confiance à votre lumière intérieure. Dans notre vie, il n'est question en fait que d'une chose, prendre le chemin personnel, vivre sa propre vérité et suivre sa lumière intérieure. Eh bien, le soleil est signe que vous êtes très proche de cet état. N'en doutez pas en tous les cas. Alors, la manifestation extérieure de cette carte. En réveillant une nouvelle conscience, non seulement votre monde intérieur, mais aussi extérieur, va se transformer. Les ondes du siècle prochain, eh bien, touchent votre petit cœur et votre psyché. En fait, elle ouvre votre conscience et vous libère, eh bien, de certaines contraintes, des contraintes d'anciens schémas, de croyances et de formes de vie rigides. Cette carte, elle vient vous dire que cette énergie qui s'est délivrée en vous ou qui va se délivrer
vous souhaite de faire la fête, de vous élancer à des hauteurs inattendues. Vous savez, le soleil, eh bien, il reflète en vous. Il reflète en vous un esprit de pionnier qui souhaite utiliser et vivre sa force et ses aptitudes de façon positive et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'optimisme et de joie. Alors, s'il vous plaît, laissez-vous aller à cette belle force du soleil. Prenez plaisir à ce présent infini dont la plénitude est des plus profondes. C'est une carte magnifique, très positive. Vous allez vers un accomplissement de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez mis sur pied. Vous allez avoir beaucoup de satisfaction et il ne serait pas étonnant que vous fassiez une belle rencontre, que vous rencontriez une belle personne. En tous les cas, cette carte est une force de vie, le soleil. Le soleil, c'est l'évolution de tout ce que vous avez mis en place. Donc, c'est une concrétisation, c'est quelque chose de bien ce qui arrive. Je vais me le répéter, c'est un accomplissement de ce que vous avez mis en place et de ce que vous désirez. Vous êtes bien à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est vraiment une carte très positive. Je vais terminer par l'oracle de l'évolution. Alors, j'ai pigé aujourd'hui. Pas besoin d'aller plus loin, savoure, prends le temps. Fais une pause, laisse maturer. S'arrêter ne signifie pas stagner. C'est au contraire une occasion d'avancer en profondeur, en prenant juste le temps d'intégrer. Il n'y a pas de hasard, hier, regardez un petit peu, la carte que j'avais tirée, le petit message, c'était « N'allez pas plus vite que la musique » et aujourd'hui, pas besoin d'aller plus loin, ça vous reprend le temps. Fais une pause, laisse maturer. Et s'arrêter ne signifie pas de stagner. Ben voilà, il y a quelque chose que vous devez comprendre pour certains d'entre vous à qui ça va parler. Encore une fois, je répète, ça ne parlera pas à d'autres et ça parlera à certains. Et pour ceux que ça parle, soyez bien à l'aise et puis prenez ce qui vibre en vous. Ça, c'est important. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain. Prenez soin de vous dans la douceur, prenez soin de ceux qui vous entourent, de ceux que vous aimez. Et puis moi je vous dis à demain et je vous embrasse.